Yo les amis, c'est Vicar, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui on va se faire un nouveau let's play sur un jeu qui vient tout juste de sortir. C'est les Tortues Ninja, la revanche de Shredder, Shredder's Revenge. Un jeu typiquement arcade, ça va être sympa, ça va rappeler les bons souvenirs. C'est basé un petit peu sur la série télé des Tortues Ninja qui est sortie en 1987, mon dieu que ça fait longtemps. Je suis né en 1989, tu vois, donc c'était pas très loin avant. Et franchement, moi, c'est vrai que quand j'étais petit, j'adorais les Tortues Ninja, j'adorais regarder les Tortues Ninja quand j'étais petit, franchement, avec Donatello, Raphaël, Michelangelo, etc. C'était vraiment un de mes dessins animés préférés. Pour autant, j'ai eu après la Super Nintendo en grandissant et j'ai jamais joué à un jeu Tortue Ninja de ma vie. Jamais, ça va être vraiment une première pour moi. Donc franchement, pourquoi pas, mais c'est vrai que ça me rappelle tellement de souvenirs des jeux comme ça d'arcade que je jouais sur ma Super Nintendo. C'était ma toute première console quand j'étais petit. Donc voilà, je me suis dit, ça a l'air très sympa. En plus, les avis sont plutôt cool sur ce jeu. Donc franchement, on va bien s'amuser. Si la vidéo marche bien, donc n'hésitez pas à mettre votre petit like sur cette vidéo. Si la vidéo marche bien, bah pourquoi pas se faire le jeu en entier sur ma chaîne YouTube. Je vous enverrai les épisodes les uns à la suite des autres. Donc n'oubliez pas le petit like pour donner de la force. Donc je joue sur PC les amis, mais avec une manette pour retrouver les petites sensations de l'époque. On va regarder d'abord la vidéo de lancement pour se mettre dans l'ambiance. Oh la musique. Toute mon enfance. Il y en a d'autres qui vont se reconnaître. Et oui. Le mec a sorti les baguettes de batterie. Shredder Revenge les amis. Je me suis fait un délire avec les baguettes, je sais pas pourquoi. Oui, mais si vous savez pas, je peut-être vous voyez pas derrière moi, mais des fois dans l'intro, vous voyez derrière moi, c'est bien une batterie, hein, donc je fais de la batterie accessoirement. J'ai pas de baguettes comme ça pour me faire un délire tout seul. Allez, c'est parti les amis, assez divagué, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a? Option. Ok, home français, on est bien. Les trucs mode d'affichage, très bien. Ok. On est plutôt pas mal, vous avez vu, jeu en équipe en bas à gauche. Donc on peut jouer à plusieurs. Comment jouer, ça c'est le tuto, mode arcade. On va partir nous sur le mode histoire pour ce premier épisode. Et let's go. Alors soit on part en tranquille, ok, extrême. Je me souviens que les jeux de l'époque, ils me rendaient assez fou hein, quand même. Assez fou, hein. Donc j'espère que ça va aller. On va partir sur ok, j'imagine que c'est l'équivalent de moyen. Allez, comment jouer. Tac, 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 ok c'est parti. Super attaque. Ok. Très bien. X plus A, ok. Attaque ascendante. Coup puissant. D'accord, tu maintiens, tu relâches. Attaque automatique près d'un adversaire. Projection épaule, ok. Je sais pas si je peux jouer avec l'analogique. Je suis obligé de jouer avec le pavé directionnel. Marteau pilon. Ok. Attaque glissade. Salto tranchant. Il y a beaucoup de touches, hein. Ok. Roulade réveil. Relève rapide. Encourager près d'un allié, c'est vrai que tu peux avoir... Il y a April qui est là, les amis. Raphaël, putain, il est stylé, Raphaël. Mon préféré, moi, c'était Donatello, vraiment. Et Splinter. Monsieur Splinter. Ah oui, il est chaud, lui. Ouh, le Splinter, il ne rigole pas du tout. Très bien. Allez, je pense qu'on est bon, les amis. Hop, let's go. Allez, on sélectionne, je vous l'ai dit, je vais partir sur Donatello, je pense. Grande portée, pas trop de vitesse, mais une bonne puissance. Raphaël, Michelangelo, il est marrant lui.
Leonardo, il est... Ah, remarque, Leonardo, il est bien équilibré. Hein. C'est pas mal avec les épées. Hein. Allez, on va partir sur Leonardo, les amis. Let's go. C'est tellement les trucs de l'époque, putain, c'est ouf. Que se passe-t-il? Où est le reçu de cadeau? Ah, mon gars. Oh mon dieu. Shredder est de retour. Salut New York, nous interrompons ce programme pour vous apporter le chaos. La statue de liberté va être relookée. Bande de malades. Allez, ils sont prêts, regarde, ils sont prêts à en découdre. April, elle est vénère. Allez, épisode 1, une nouvelle époustouflante, studio de Channel 6. Ah, Shredder est arrivé. Allez, let's go. Ok, ouais, je peux utiliser le... Allez. Tellement des souvenirs. Boum. Ah oui, c'est vrai. Faut être bien en face. Aïe, aïe. Vous n'avez pas réussi à terminer le niveau sans être blessé. Bah ça va, je viens de commencer. Laisse-moi déjà me faire un petit peu aux touches. Voilà. J'aime bien l'attaque spéciale, moi. Go, go. Tac, tac. Donc on a une petite barre de vie en haut à gauche. On a notre nom. Oh, putain, je regardais la barre de vie. Et j'ai pas vu qu'il y avait un mec qui... Aïe. Oh là là. Calme-toi. Bim. Allez. Il joue à la console. Wouah, il m'a bien eu là. J'imagine que... Je sais pas ce qui se passe quand ma barre de vie arrive à la fin. J'imagine que je meurs. Putain, lui, il veut me balancer un truc. Hop là, l'esquive. Putain, j'aurais dû le faire quand ils étaient vraiment près de moi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais même pas. En vrai, je me rappelle mettre déjà plus des 21 touches. Des 21 touches qu'il fallait se souvenir. Je commence à, tu vois, à essayer de changer un peu. J'adore les animations des ennemis. Donc là, je crois que j'ai ma barre en haut à gauche qui est bleue, qui veut dire que je peux utiliser mon pouvoir. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça, faut le faire quand il y a plein d'ennemis autour de toi. Tac. Ça, j'aime bien cette attaque dans les airs. Oh, il est monté sur la cuisine, lui. Tu as 39 coups. Ce qui n'est pas si fou, en vérité. Ouais, par contre, j'ai plus beaucoup de vie. Hein. Tu vois, je suis en train de clignoter tout rouge parce que je vais mourir. On a oublié comment ces jeux-là étaient durs en fait. Oh, il m'a défoncé. Par contre, je crois que j'ai pu manger un truc. Je vais vraiment mourir là, par contre. Hein. Faut passer dans son dos. Hein. Ah, c'est ça. Tu vois, je me suis fait défoncer, je suis mort. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on recommence tout le stage? Non, ça va. Donc, eux. Oh putain, attends. Eux, faut que je passe derrière eux. Oh, je l'ai balancé vers l'écran. Magnifique. Allez. 15 soldats vaincus en utilisant une finition combo. Ouais, j'adore le combo. Oh, il y a le gros cochon là. Comment il s'appelle lui déjà? Je me souviens plus. Aïe, il m'énerve. Allez, prends ça.
Allez. Ah, ils sont chiants à se couvrir. Allez. Il y a quelques éléments du décor qui se pètent. Bim. Ah, c'est pas mal cette attaque. Ok. Hop, l'esquive. Ah, j'aime pas les bleus comme ça. Ils font mal. Oh, l'attaque totalement ratée, le combo. C'était toujours très, des musiques très, très vénères à chaque fois. Allez, c'était pas mal là. Hop les... Katsuga vaincu en utilisant des pièges. Une petite pizza. Objet trouvé. Gros titre classique. Merde, alors eux... Attends. Eux, je les aime pas avec les boucliers non plus. PV supplémentaire ajouté. Allez. Donc on a un petit... On a une espèce de... Du coup, là, notre barre de vie peut augmenter. Ah, combat de boss. Premier boss, les amis. Oh, il est vénère, il a déchiré sa chemise. Bipop. Oup, je voulais esquiver, mais j'ai pas pu. Il a ramené ses potes, en plus. Ah là là. Allez, on y est presque. Oh, dommage, je voulais sauter. Là, c'est bon. Allez, on va l'avoir. Oh, décidément. Il est sonné. Hop là. Attends, je vais essayer d'avoir les... Attends, mais c'est incroyable, j'arrive pas à le finir. J'arrive pas à le finir. C'est bon. Bipop. Premier boss vaincu, les amis. Premier boss. Épisode 1 terminé. En 6 minutes. Total de coups 431. Plus longue série 50. Kowabunga. Nombre total de KO 91. On continue, bien sûr. Ah, son pote le rhino qui vient d'arriver. C'est vrai qu'il y a toujours le cochon et les rhinos là. Putain. Allez, pourchassez-le, les gars. Est-ce qu'on peut changer ce genre de perso entre chaque épisode? Ce serait cool, ça. Oh, ok, donc ça, c'est la map. Putain, c'était vraiment comme à l'époque. Donc, on peut refaire le premier stage si on veut. Défi, tu vois, il y en avait 2 sur 3 à faire. Objet trouvé, 1 sur 2, j'en ai trouvé, tu vois. Ok, tanière des tortues, je sais pas ce que c'est. Panoramique. C'est... Alors, panoramique, c'est pour voir toute la carte. Ok, donc on peut se déplacer comme ça. Donc, c'est tout... Wow, ça a l'air très grand. Trouver des joueurs, donc on peut jouer avec plusieurs amis. Là, ça a l'air d'être une fête foraine, ok. Tanière des tortues, c'est quoi Tanière des tortues? On va juste aller voir c'est quoi Tanière des tortues. Ok, j'ai pas cliqué sur le bon bouton, c'est bon. Allez, on descend de Channel 6, on poursuit le rhino cette fois. Et donc non, on continue avec le même personnage. Donc on change pas de personnage entre... Ah, peut-être en allant à la tanière des tortues. Hein. On essaiera après ce... Après ce stage-là, on essaiera de d'aller à la tanière des tortues, les amis. Bim. Go. En tout cas, c'est bien rythmé et tout. Hein. Donc là, on a une pizza là-bas. Wow, il y a beaucoup d'ennemis. Allez. On a pris une pizza qui est... très vénère et du coup qui nous a créé un espèce de pouvoir, une pizza survoltée. Oh, il y a des mecs avec des haches. Waouh. Wow, alors lui par contre il a chargé son coup, il faut vraiment l'esquiver quand il fait ça. Allez. Franchement, c'est marrant de rejouer un jeu comme ça. Franchement, c'est... Oh.
Ah, je suis tombé dans le... Mais non, je suis tombé... Oh non, deux fois. Ah non, par contre, c'est abusé. Attends, je suis tombé dans le... Je suis tombé deux fois d'affilée dans le trou d'égout. Faut faire très gaffe. Attends, je vais voir si je peux péter ça, là. Je peux péter ça, effectivement. Donc, il y a des... Objets trouvés, ok. Oh, des ninjas jaunes. Ils ont pas d'armes, ils se tapent au point, eux. Aïe. Oh là, attends, et t'as vu ma vie comme elle a baissé là? Il m'a été sauvé, les amis. Aïe, oh là, je vais me faire défoncer. Oh, il m'a balancé un truc. Eh, je vais vraiment mourir là par contre. Il me reste 3 vies. Hein. En vrai, c'est ça. Là, c'est des. Putain, c'est quoi ces robots là? Ah non, non. Ah, il m'a tué. Il m'a chopé, il m'a tué. Allez, c'est reparti. Il me reste que 2 vies. Oh putain, je suis con en plus. Moi, je me fais péter avec le baril. Ok, là, il y a de la vie. Pourquoi je l'ai prise maintenant? J'en avais pas besoin maintenant. J'en avais besoin juste avant. Avant de crever, quoi. Oh, j'ai cru que j'allais esquiver, mais... Faut que je re-regarde les coups parce que vraiment je fais toujours les mêmes coups parce que je sais pas quel autre coup faire. En fait c'est pas... Attends, ouais, ouais, là je l'ai vu lui, il allait démarrer. Ah, il balance des boomerangs. Je pense qu'il faut que j'utilise plus le saut aussi, tu vois. Hop là. T'as cru que t'allais m'avoir comme ça toi? Ah, deux motos. Oh, trois motos. Oh. Ils m'ont eu, les bâtards. Vraiment? Par contre, faut peut-être que je les tape. Attends, faut que je les tape, je crois. Ouais, c'est ça. Depuis tout à l'heure, je les esquive. En fait, fallait le taper. Oh merde. Comment je fais? Est-ce que je peux? Ouais, je peux l'esquiver comme ça, ok. Je suis obligé de sauter. Hein. Putain, il est relou, lui. Oh, il est relou. Ok, attends. Ah, c'est bon. Incroyable. Tu m'auras pas. Il faut que la voiture, elle démarre, là. Allez. Oula. Oh, putain. J'ai déjà plus de vie. J'ai déjà plus de vie, les amis. Prochain coup, je meurs. Kowabunga. Oh, attends. Ah ouais, non, mais là, c'était sûr. La moto plus ennemi, plus plus de vie. C'était sûr, j'allais me faire défoncer. Attendez, je viens d'arriver. Putain, je me fais spawn kill. Ah là là, attends. Putain, je suis vraiment qu'une merde, putain. Allez. Putain, j'ai jamais été très bon au jeu d'arcade. Ça se voit, non? Allez, mais j'arrive pas à le toucher, c'est un truc de fou. Allez, frérot. J'arrive pas. C'est bon. Ah, il est pas mort. Ok, c'est bon. Il me faut un peu de vie là, vraiment. Oh là là, ils me mettent des mandales dans la gueule, les amis. Faut pas que je tombe dans le trou. Oh purée. C'est bon. Ah, de la vie, de la vie, de la vie. Oh oui, en plus, ça restaure toute ta vie en plus. C'est trop bien. Ok, tu peux toucher le tonneau et après tu t'écartes pour qu'il. C'est quoi? Vie infinie là? Trop bien. Vite, vite, vite. On a la vie infinie pendant un court temps, ça y est, c'est passé. On va péter ça. Je sais pas à quoi ça sert, ça. J'ai pas regardé, en fait. Quand je fais ça.
Deep breath, genre il respire, il se concentre. Ah, super attaque. Bim! C'est bon, ça, j'adore cette attaque. Ça pète tous alentours. Allez. Allez, le rhino il est là, il nous attendait les amis. Deuxième combat de boss. Rocksteady. Le premier c'était Bebop, lui c'est Rocksteady. Allez, on le défonce. Il a envoyé des bombes le gars. Alors les bombes j'aime pas trop. Faire gaffe. Ouh, elle est pile sur moi là. Je pense qu'il faut mieux. Oula. J'en ai envoyé un vers l'écran. Aïe. Oh, il a sorti le fusil à pompe. Il a sorti le fusil à pompe. Ah, je veux mon pouvoir. Allez, je me concentre là. Vous avez vu, je suis sérieux, je rigole plus. Je vais crever. Barre de puissance ninja augmentée. Allez, il a plus beaucoup de vie. Moi non plus. On l'a eu les gars. Oh, regardez ma vie. Regardez ma vie. Elle est tellement basse. Mais on l'a eu les gars. On a réussi. Épisode 2 terminé en 7 minutes 52. 502 coups, 47 au niveau de la plus longue série et 100 KO. Kowabunga. Ok. C'est marrant, non? Franchement. Il est sympa le jeu. Hop. Je prends un peu d'eau parce que il fait tellement chaud. Il fait une chaleur. Requête spéciale disponible. J'ai pas eu le temps de lire, merci. Ok, donc ça a l'air d'être un genre une quête secondaire, on va dire. Donc on peut descendre et faire la requête. Récupérer tous les journaux intimes secrets et Dirma. On va aller à la tanière des tortues. C'est ça. Arrêter la diffusion illégale de Channel 6. Terminé. Saison complète. Terminé le mode histoire. D'accord. Je peux aller sur la bibliothèque avec les journaux. On peut aller au dojo. Alors, il est où le dojo? Attends. Ah, ça, c'est le dojo. Ok, d'accord. Journal de fitness. Option débloquée. Point de vie bonus. Super attaque plongeante. Point de vie bonus. Ok. D'accord. Ok. Ok. On continue pour le troisième stage, les amis. Mutant à Broadway. Ok. Je trouve que franchement le jeu... Oh! Allez! Bien sûr! On peut sauter? On peut sauter. Ça c'est stylé. Et on peut taper en même temps. Ok, c'est cool ça. On est sur un genre de skate. Vous n'avez pas réussi à terminer le niveau sans être blessé. Non, ça risque pas. Putain, c'est stylé ça. Je m'attendais pas à ce qu'on ait des petites séquences comme ça là. Entre guillemets dans des véhicules. Mais ça va, ouais. Mais je peux même esquiver. Hop là. Du coup, c'est pas du tout le même gameplay là. Enfin, ça glisse quoi. Oh les petites mouches. Hop là, vaut mieux sauter, lui se les manger. Est-ce que je peux utiliser même mon. Waouh. Est-ce que je peux utiliser même mon pouvoir là? Ah, on dirait, ça marche bien. Oula. Ouh, là faut, je peux pas sauter au-dessus. Ouh. Oh, y'a les bécanes qui arrivent, y'a les motards. Ça va vite, hein. Oh merde. Quand tout commence à s'enchaîner, c'est le bordel. Oula.
Donc on commence les niveaux avec 3 vies à chaque fois. Waouh. Bonjour. Bah lui, attends, on peut le toucher. Hein. Waouh. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment... Oula. Oula, oula. Calmez-vous. Oula, je vais mourir, regardez, je clignote en rouge. Il nous balance des valises. Wow. C'est quoi ce bordel? Calmez-vous. Oh, ils sont relous, eux. J'arrive pas à les toucher, en plus. Oula. Je voudrais un peu de vie, là, s'il vous plaît. Donnez-moi un peu de vie. Allez, je l'ai lancé au bon moment. Aïe, aïe, aïe. Ouais, là, je vais me faire niquer. Ah là là, je suis mort. Allez, je respawn, il me reste 2 vies. Aïe. Oh le bordel, y'a du monde là. Putain, vous avez vu, j'étais tout plat. Oh, de la vie, merci. Ok, on sort du tunnel. Putain, les mecs ils sont dans des véhicules volants quoi. Il est où mon véhicule volant, moi? J'arrive pas à le toucher, incroyable. Faut que je regarde l'ombre, je crois. Bah ça va, heureusement qu'il m'attaque pas trop pour l'instant, parce que putain, j'arrive pas du tout à les toucher quoi. Ah putain, c'est incroyable, ils sont trop chiants, ils sont trop chiants. Allez. Ok, en fait tu fais double saut et tu les tapes. Voilà. Oh, j'ai utilisé la super attaque pour ça, c'est naze. Et encore une fois, en plus, je refais la même merde. Ah, oh, je les aime pas à eux, vraiment, je les déteste. Je les déteste. Genre, vraiment. Je les hais. Comment, quand j'étais petit, qu'est-ce que je rageais sur les jeux d'arcade? Après, je me suis calmé. Mais mon dieu, c'était horrible. Tu sais, quand t'es petit. Là, genre, ce duo, ils ont rien pris comme dégâts, quoi. Ah non, ils sont en l'air. Ah, j'aime pas eux. Y'a pas beaucoup d'ennemis que j'aime finalement dans le jeu. Hein. Si on résume, putain, je me fais défoncer. Qu'on arrive à la fin du stage là parce que je vais plus avoir de vie. Voilà. Dis-moi qu'on arrive à la fin du stage là. Oh oui, la petite vie qui va bien. J'ai failli la louper en plus. Oh ok, je crois que c'est le boss qui arrive là. Allez, les deux, Bipop. Turtle. Tendizer, Monster Truck, Écrase Tortue. Il a l'air bien vénère lui. Ça, par contre, j'ai l'impression que je peux pas. Ouais, je peux. Si je le touche, je me fais défoncer. Oh putain, comment je vais faire? Oh. Faut pas que je m'approche trop. Si je m'approche trop, c'est mort les amis. Ah oh, putain, il me fonce dessus. Faut pas que je m'approche trop, sinon ça va pas. Pas facile. Ah, c'est pas facile. Là c'est pas mal. Là on est pas mal. Aïe. Allez, la super attaque. Il se l'est bien prise. Il va bientôt crever. Aïe. Aïe aïe aïe. Ça pique. C'est bon, il pète. Yes. Ouh. Au début j'ai eu peur hein. Je vous avoue. Allez, épisode 3 terminé. En 5 minutes 51, il était un peu plus rapide que les autres. Il était marrant celui-là, avec le petit skate et tout. Mais je préfère quand je suis à pied en vrai. Total de coups 239, 41 la plus longue série. Et 49 total de KO. Ok. Shredder est vénère. Shredder est vénère. Allez, un nouveau stage qui se libère. Tout là-haut. Ok, donc épisode 4. Est-ce qu'on s'en fait encore un dernier? Allez, on s'en fait un dernier, les amis. Parce que c'est quand même bien marrant. Et c'est quand même très sympa, en vrai, hein, franchement.
bagarre aux os. Donc en fait là on a un aperçu du boss du niveau. Donc là ils vont être deux contre moi. Ça c'est eux deux hein. Clairement. Allez. Franchement je trouve que les sensations elles sont terribles et ça rappelle vraiment les jeux d'arcade. Il y a une statue de Shredder là-haut. Oh là, j'ai failli découper les gens. Hop, c'est vrai que je peux les jeter aussi. Je sais plus c'est quelle touche. Je crois que c'est la touche du bas. J'essaie de... Comme lui il m'attaque pas. Ok, je me colle contre lui et après je le balance. Yes, 48 coups pour l'instant. On est pas mal là. Là ça va se corser là. Aïe, voilà. Je me suis fait toucher. Je crois que j'ai fait un bon combo. J'aurais bien aimé qu'on puisse changer de perso à chaque stage, tu vois, pour changer un peu. J'aurais bien pris Donatello. J'adore cette attaque. Bim. Hop les. Faut pas tomber dans le trou, sinon on meurt direct. Voilà. Faut attention à lui là, avec son attaque chargée. Attends, là il y a le truc là, je peux le péter. Ah, un journal secret trouvé, yes. C'est qui lui? Attila sauvé. Salut Attila. La grenouille. Attends, je crois qu'il y a une attaque chargée quand t'appuies. Quand tu restes appuyé longtemps. Ah ouais, je suis trop bête moi. Putain les gars, après 4 niveaux, je me rends compte qu'il y a des attaques chargées. Après, faut voir, faut les faire au bon moment quoi. Ouh, il y a des archers. Allez. Oh dommage, je l'ai pas fait assez près d'eux. On va essayer de faire celui en bas là. Je crois que les archers ils vont revenir à chaque fois. Hein. Viens là toi, j'ai pas envie de tomber dans le trou. Pourquoi lui il tombe pas? Ah non, les archers ils reviennent pas. Hein. Allez, je prends un peu de vie ou j'attends un peu? J'attends un peu. Ouais, j'attends un peu. Je crois que ça restaure toute la vie. Hein. Ah, c'est pas mal le coup. Allez, je prends la vie avant de plus pouvoir la prendre. Allez, courez. Oula, des... oula. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on est dans un zoo. Bah oui, il y a des animaux de partout qui s'échappent. Ok. Allez, on va faire péter ça. Voilà. Ah, ils sont relous. Il est pas mort lui. Incroyable. Bim. Allez, je m'en fous, j'utilise ça. Deux fois d'affilée. Attends, j'ai... Ok, je sais pas à quoi ça sert ça, vraiment. Oh purée, j'aurais dû sauter, bah oui. Tac, on pète ça. Nouveau coup débloqué, super attaque plongeante. Oh, appuyez sur Y. Attends, j'ai pas compris. Et appuyez sur Y quand tu sautes. Mais je crois que c'est quand t'as une barre entière de... C'est un pouvoir mais en l'air. C'est pas ça, hein. on va essayer tout à l'heure. Objet trouvé, bestiole dégoûtante. Ok. On va essayer le super coup là. Je trouve que je me suis amélioré par rapport au premier stage quand même, non? Faut le dire. J'ai toujours pas encore assez de barres de vie, ça y est, je l'ai. Mais je vais pas l'utiliser tout de suite. J'attends un peu.
Là il y a de la vie. Allez vas-y, je la fais maintenant. Ah c'est ça l'attaque plongeante, pas mal. Donc c'est cool parce que tu débloques des nouveaux coups en fait au fur et à mesure du jeu. Bon, ça c'est stylé. Bon déjà t'en as 21 de base, que je pense que j'en utilise genre 1. C'est la touche attaque. Je prends pas la vie tout de suite. Attends un peu. Faut être stratégique là. Il veut pas mourir là, incroyable. Il se prend des bananes ou quoi? Allez, je la prends maintenant la vie. Tac, c'est bon. Ça se casse ça? Ouais, ça se casse. Objet trouvé. Salut crocodile. Oh non, en plus j'ai voulu sauter mais... Après je me suis dit j'étais trop... C'était trop tôt. Ah, combat de boss. Oh. Et non. Alors lui... Ah non, c'est pas eux du tout les boss en fait. Duo en difficulté, je sais pas qui c'est vraiment. Dirtbag. Putain, ils sont deux là cette fois. Hein. Ah, y'en a un qui est parti, ça va. Y'en a qui part des fois dans les airs. Par contre, t'as vu, hop, il ressort. Oula. Aïe. Je regarde si j'ai. Oula. Ça va qu'il y en a un. Oh, il m'a chopé. Oh là là, je l'enchaîne là, mais. L'autre il est dans le sol. Oh, il est énervé là. Il est énervé là. Il va se calmer ou c'est comment? Ah, c'est bon, il s'est calmé. Non, pas du tout. J'ai plus de vie, je vais mourir. Enfin, si, il me reste de la vie, mais. Eh, mais il est fou lui. Aïe, voilà, je suis mort. Il me reste deux vies, amis. Ça devrait le faire normalement. Allez, y'en a un qui est mort. Lui, je sais pas ce qu'il fait avec sa lumière. Ah, il m'a étourdi en fait avec sa lumière. Allez, sors du sol là. Je vais lui faire une attaque plongeante qu'on vient d'apprendre. Et c'est fini les amis, on les a eus. Vous avez terminé le niveau sans avoir été attrapé plus de 3 fois. Et bah ma foi, c'est très bien. Voilà, temps 7 minutes, total de coups 431. 68 la plus longue série. J'ai battu mon record, je crois que c'était 50. Et 75 KO. Double boss, là, c'était un peu plus chaud. Mais ça va, il me reste encore 2 vies après. Et ben voilà. Bureau de quoi? Bureau de Burn. Ça s'affiche trop vite ce message là, par contre, j'ai pas eu tout le temps de lire. C'est incroyable. Alors attends. Tanière des tortues. Tac tac, je regarde si il y a des nouvelles choses. Bibliothèque. Épisode 1, ok. Réalisé. Donc ça c'est les défis un peu que tu peux faire selon les épisodes. Terminer le niveau sans être blessé, à chaque fois il y a ça. Je sais pas il y a combien d'épisodes en tout. Tac. Trouver des joueurs, jouer en équipe. Ok les amis. Et ben voilà, on est au stage 5. On va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu, cette petite découverte épisode 1 sur les Tortues Ninja, la revanche de Shredder. Franchement, c'était très sympa. Très très sympa, je me suis bien amusé. Si ça vous plaît les amis, envoyez des petits likes sur cette vidéo, je vous ferai du coup la suite de ce let's play jusqu'à la fin de l'aventure. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous plaît, ce que vous avez pensé de ce jeu. Moi ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs de quand j'étais enfant, donc franchement très très sympa. Ce petit jeu très arcade, mais ma foi très rigolo. Les amis on s'arrête ici, merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve très bientôt pour un prochain let's play. Peut-être celui-là, sinon il y a The Quarry en ce moment qui continue sur la chaîne. Merci encore. Rendez-vous bientôt pour de prochaines news, des guides ou des let's play. Ciao.